shotgun. Ah, c'est vraiment une logistique de malade, oui. Branché, je mets juste je mets juste le chat Twitch. Voilà, ici, parce que je l'avais pas, parce que comme ça, je l'ai en face de moi. On va se faire là, hein. Donc là, je résume comme j'ai dit, voilà, Dreamcast branché sur ma borne d'arcade Naomi. Et on va jouer, donc je vais jouer à la manette, donc au port, un port de d'un jeu Atomis Wave sur la Dreamcast. Et on va voir à quoi il en retourne, après on va se le faire. Hop. Donc système easy et arcade, c'est comme c'est dit juste en dessous, voilà. Donc 4 niveaux et un heavy machine gun, alors qu'en hard, on a directement tous les niveaux, voilà, c'est ce qui nous intéresse hein, si on veut faire le jeu. Donc on va le choisir. Après, on a les différents personnages. Ralph, Marco, Tarma, Pio, Eri et Clark. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre Ralph, je pense que c'est le plus équilibré. Ouais, on va prendre Ralph, bien sûr. Alors, le son du jeu est un poil fort, ok. Voilà, c'est retouché, normalement ça doit être ok. Ça doit être mieux. Hop là. Bah on va commencer. Alors déjà voilà, je me suis dit, je vais montrer le jeu, on peut jouer sur une capture et tout. Mais non. On veut ça sur un écran arcade. C'est, jouons comme il faut. Donc je regarde un petit peu les touches. Donc on est parti. Donc ça doit être comme le premier Metal Slug. C'est-à-dire que il y a les mecs en fait qui donnent l'alerte. En fait, si on les bute avant, je pense qu'on évite en fait d'affronter certains ennemis. Ah tu je te charrie avec un écran arcade. Ah bah je charrie personne. Moi je dis simplement, ça peut aider. Voilà, ça peut aider en fait pour avoir un meilleur rendu, tout simplement. Ça, moi c'est au niveau du rendu. Hein. Voilà. Oh, un petit. Oh non! Et j'ai sauté avant, dégoûté, lève-toi. Allons-y. Alors pour l'instant, au niveau de cette adaptation, c'est jouissif. Hein. C'est jouissif de jouer ça comme ça. C'est, qui dirait qu'en 2020 on jouerait entre guillemets un nouveau jeu Dreamcast. Et puis après quoi, c'est pas de la daube quoi. Par exemple au niveau des musiques on voit peut-être l'apport qu'a un système un petit peu plus puissant comparé au MVS. Ah, faut pas hésiter à utiliser une grenade, ouais. Ah, pour l'instant j'économise, j'en ai 15. Alors là je vais rien casser là. J'ai pas assez le temps.
Hello Anata. Ah, pourtant je l'ai pas encore sorti le grange. Ah là 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 là, les gens. Il est sympa. Au niveau des musiques, c'est plus fin. Je pense que c'est plus fin que sur MVS. Hein. Wouah, j'étais passé, je sais pas comment. Là. Je suis passé, c'est pas comment. Hein. Ah oui, c'est exactement. Sur cette version de Metal Slug, on peut stocker donc deux armes. Donc en bas de l'écran à gauche, vous avez donc deux petits carrés. Sur ces deux petits carrés, en fait, vous pouvez avoir différentes armes. Alors si mes souvenirs sont bons, exactement, la chauve-souris dorée donne plus de vie. Plus de vie, plus de points. Ah oui, mais mon bot fait bien son boulot. Ah bah, idiot ce que j'ai fait, idiot. On a une petite jauge aussi qui se cumule. En fait, c'est des enchaînements. Voilà, qui est normalement le tir est largement plus puissant si on est au max, quoi. Ah, j'ai plus de grenades. Je vais en balancer. Alors le buzz en restant sont toujours aussi. Ah oui, c'est clair. Alors je sais pas comment je m'en sors. Je sais pas comment je m'en sortais en fait, parce que l'écran était tellement sur la gauche que si je sautais, je tombais dessus, ça me faisait perdre de la vie. Et si je me faisais toucher, je restais toujours droit. Alors les boss sont toujours aussi charismatiques, oui. Bah c'est une mise en scène en fait, hein. Il y a toujours on pense que c'est du run and gun. C'est du run and gun, oui, mais il y a une histoire juste à côté, quoi. Est-ce que ça va exploser ? Les mecs là, ils sont résistants. Je joue comme un collectionneur d'AES. Peut-être. Sûrement. Sûrement. T'inquiète. Je me chauffe.
Oh là là, vas-y. Mon Dieu. Purée, vas-y, j'étais concentré sur le mec. Après, c'est du hard, hein, c'est pas du easy, hein. Attention, hein. Ouais, les musiques sont super cool. Alors, je voudrais bien avancer. Voilà. Faut voir. Alors, flame shot. Qu'est-ce qu'on récupère? Le petit bourricot. On a plus de puissance que au niveau du tir. Pour l'instant, il n'y a personne. On s'en sort. Il fait un caméa, il va m'aider. Oh là 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 là, la réaction. Alors est-ce qu'il y a la frame d'invincibilité quand on saute, quand on sort du truc là? Est-ce que c'est comme les est-ce que c'est comme les chars, hein? Ça va bien que je tente. Oh là là, vas-y. Mon Dieu. Ah, il est très court, ok. Putain, et j'étais focalisé sur les soucoupes volantes. Et donc je voyais pas devant moi les mecs qui arrivaient. Et ça servait à rien que je le prenne, hein. Alors d'ailleurs pour sortir, il suffit de sauter deux fois. Ou faut faire une autre touche. Oh, le boss. Non, ça veut pas. Et mince. Est-ce qu'on peut aller sur un autre endroit? Ah oui, on peut aller là, ok, d'accord. Ok. Ça demande de la concentration, hein.
Eh ben non, j'ai pas eu le temps. T'as testé pour la frame, c'est pareil que les autres, aussi court que dans les métastases. Ok. Ah non, j'avais pas. Purée, le réflexe d'aller en arrière. Juste. Voilà. Pour la frame, c'est pareil. Les autres aussi courts que les autres, mais c'est ça. Ok. Voilà, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Oh là là, il balance des. Ah mince. Ça se casse ou ça se casse pas là? En tout cas, t'avais testé sur le slug. Ok, ouais. Donc là, le petit bourricot, ça peut ne pas être pareil. Hein. Ça peut ne pas être pareil. Pas du tout. Je sais pas. Alors, on se fait capturer donc par le Saddam Hussein alien. Avec les aliens. Ils sont en train de manger les aliens. Oula. Alors donc là on a une petite rétrospective de ce qui s'était passé je pense. Espèce de mouche alien qui sont en train de manger bah, les aliens de base. Ils attaquent tout le monde là. Ah, ils tuent les humains, ils tuent les aliens, ils mangent les aliens. Elle est en train de lui raconter l'histoire en fait. Ok. Ok. Mission 3, start. Petite musique un petit peu plus enjaillée. Shotgun. Heavy machine gun. Oh là 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 là, j'ai pas le temps. Mais ils s'arrêtent pas avant les mecs là, ils sont sérieux? Ils sont sérieux?
Bug de collision. Voilà. J'aurais dû... Alors c'est un remix du stage 4 de Metal Slug X. La musique aussi. Ok. D'ailleurs le Metal Slug X, je l'ai sur MVS. Hein. J'ai pas pensé, mais je pouvais... je peux montrer aussi la MVS. C'était le début donc des Metal Slug. Pas mal hein. Elle est pas mal la musique. Petite carotte. On sauve bien sûr les soldats. Soldats. Capturer les petits otages. Faut être malin, faut pas aller au contact. Voilà. Alors là par exemple on voit on peut changer donc les armes. Vas-y, je pensais que je montais sur le... Ah, on peut pas l'envoyer. Je pensais. Non, là quand j'ai sauté... Eh ben non, je m'y suis pris trop tard. Je voulais sauter de l'autre côté quoi. Là c'était perdu pour perdu hein. Perdu. Là ici je pouvais pas monter. En fait, je pouvais plus sortir. C'est pour ça que tout à l'heure. Musique et stage ambiance Japon. Ouais. Avec les constructions. Je dirais peut-être pas Japon mais peut-être Chine. La musique style Japon, la construction style Chine à cause des bambous, etc. Ou Thaïlande, un truc comme ça. Après les petites entrées comme ça de temples. Peut-être plus Chine, hein, parce que les militaires là, les petits militaires avec les lunettes, ça ressemble à des uniformes chinois. Alors je sais pas. Si vous avez un petit traducteur avec votre smartphone, prenez en photo les écriteaux qui sont en arrière et on sait si c'est du chinois ou du japon. Du japonais, je veux dire. Mais ça me semble que c'est du chinois. Pareil, oui. ça y ressemble. Et c'est en train de se faire bouffer par l'alien. Il est en train de le... On va protéger le mec là. Quoi ? Et disons... Ouais, là normalement je devrais le toucher mais je le touche pas. Seulement quand il a... Ils se font posséder. Oh là, on va sauver le chicken là. On va sauver le chicken. Peut-être. Lâche-le chicken. Non. Mon dieu. J'ai sauté dans les... Eh ben non.
là mon dieu, vas-y. S'il te plaît, quoi. S'il te plaît. Ça passe. Ça passe, ça passe. Et je savais plus où donner de l'œil en fait. Avec les autres qui tombaient dessus, je pensais qu'ils pouvaient me toucher. Et ces mecs là, non, c'est pas arrêté où je voulais quoi. Ouais, vas-y. Je suis totalement. Alors c'est pas pause, voilà, là. Alors, on va changer de perso, tiens, on va prendre la meuf. J'ai plus ses attributs, mais et ben non. Sont pas tombés. Si j'étais collé au mur, ça serait mieux passé. Et on a un double tir d'Uzi là. Mon dieu. J'ai plus de munitions. Je suis dans la mouise. C'est super balèze. Cette partie là. Mais c'est un jeu à creuser hein. Et les slugs c'est tout le temps comme ça hein. Il en envoie deux là à chaque fois. Explose toi. Voilà. Pas perdu une vie connement quoi. Ah, je savais pas qu'il chopait des trucs dans l'eau quoi. Eh ben non. Simple hein. Surtout la première fois qu'on le fait hein. Alors là on a un petit robot. Ok, pour une prochaine phase. Oula, le robot alien.
Ah oui, pas du tout ça. Pas du tout ça là. C'est pour ça qu'il y a des caisses, ok. Alors on va attendre qu'il fasse des conneries. Deux haches, est-ce que c'est les Uzi? Ben non, pas le temps de choper. Est-ce que je suis protégé ici? Ah, ici. Oh là là, mais vas-y, je vais pas récupérer le slug là. Je vais pas la récupérer ce truc là. Eh ben non. Très bonne, ouais. Non, la musique, y a rien à dire. Y'a rien à dire. Ouais. Pas réussi. Peut-être que ça prend pas autant de temps que moi à le tuer, mais en fait, j'ai perdu mon slug et j'arrive pas à le chercher, quoi. Juste à côté de la caisse, il y avait un petit endroit où on pouvait s'abriter. Concentration. Oh là là. J'ai pas compris ce qui se passait, j'étais pas focalisé dessus là. Je cherchais plus à... Purée, sérieux. Il était lent. Sérieux, celui-là... Dur. Dur, il a fait mal. Il a fait mal. Mission 3. Mon dieu. J'aurais pas dû perdre mon... mon slug, quoi. Mais j'aurais dû mourir le premier mec là.
Et... Ouais, ouais. Bien sûr, bien sûr. Le nombre d'ennemis. Et mais les mecs qui arrivent là en mode Blanca fonce dessus. Ah, je voulais passer en dessous, j'avais vu la l'endroit ok pour passer, mais peut-être que je vais y aller à l'agro quoi. Balance ton truc. C'est déjà plus simple hein, quand il n'y a pas de... Non. Quand il n'y a pas les autres en bas pour nous embêter. Ah, ça va. Ah, le petit avion. Alors, question, quel était le Metasug où on pouvait déjà aller en avion comme ça là? On avait au moins un déjà, à mon souvenir. Il y en a deux. Ouais. Dans le 2. Et je crois qu'il y a le... dans l'épisode Game Boy Pocket... Neo Geo Pocket. Dans l'épisode Neo Geo Pocket, normalement on peut voler. Ah oui, heureusement, ouais. Voilà, je pensais qu'on pouvait pas passer. Détruis ton... Hein? Attends, détruis ton avant... C'est pas marrant avec? Bah non! L'idée... L'idée c'est de réussir à... C'est de réussir à passer, bah voilà, regarde. C'est en... En jetpack. Je l'ai détruit à la fin. Ou on me l'a détruit plutôt. Thank you. Thank you. Yeah. Yeah. Ah, on peut pas les tuer, ok. J'ai fumé les mecs. Ah oui, c'était pas du sang, je pensais que c'était du sang, ok, donc c'est genre de l'acide. Donc on a la tête qui est Oula. Mince. Je suis sorti de ma zone d'invincibilité. Ah, je peux plus lui monter dessus. OK. Ah bah non. Ah, est-ce que je peux être là? Ah, elle me tue, ok. Comme ça, elle me tue. Ah.
rocket launcher. Ah oui, j'aurais dû passer. J'aurais dû passer un petit peu plus en avant pour sauter en arrière, ok. Je commence à comprendre, le système. Là, voilà. Tout un art, tout un art. Pourquoi est-ce que je suis mort avec lui et tout à l'heure je mourrais pas quand j'étais dessus? Pourquoi? On peut les détruire les trucs bleus là, ouais. On peut. Là. Si, voilà. Quand il fera tourner son truc, je saute sur la petite. Sur le petit. Voilà. Là. Et je saute par là. Voilà. J'ai compris. Il va apparaître ici. Aïe! J'étais bien parti, hein. On commence à comprendre ce qu'il faut faire, quoi. Tombé où là? Oh là là, les trucs qui me vont en dessous là. Ah, j'ai. Faut sauter quand ils se regroupent. Ouais. Oh là là, mais c'est un. Plus facile à dire qu'à faire. Sur cette phase là, je suis pas le mec le plus patient du monde. Purée. J'ai réussi à passer quand ils étaient regroupés. Bon, j'ai perdu de la vie. Alors, on est en train d'aider les militaires là. Contre l'invasion. L'invasion alien. C'est par là, oui. On est parti. C'est à l'intérieur du sable. Sous le sable. Dans un tunnel. Donc finale mission. Donc on est d'accord que c'est le dernier niveau. Hein ? Vas-y. Il est pas résistant le mec là. Ça serait bien qu'il m'aide. Oula. Je pensais qu'il allait exploser mais en fait Là.
Waouh. C'est dur. C'est dur, c'est dur. Oh, le shotgun, comment qu'il a... Comment qu'il a nettoyé tout ça. C'était pas possible de sortir. Je récupère le truc là. Ah, je suis pas arrivé. Comment comment dire ça poliment? C'est vachement dur. Ça demande de l'entraînement de ouf. Ah oui, on va... Ils sont en train de se faire zigouiller devant moi. Ils me protègent. On laisse nos pions mourir à notre place. Voilà. C'est comme ça la vie. Ah, j'étais trop près. Plus j'y dis fait, ce sera d'être au milieu là. Hop là, on creuse. Est-ce qu'on peut changer de direction? Non. Récupérer l'os. C'est une exploration. Ah. Par ici. On esquive comme ça. Oh, je peux pas sortir. Je peux pas sortir. J'avais de la vie là, juste à côté.
Non. Eh ben les deux derniers niveaux là, il y a une différence de difficulté déjà qui se fait ressentir. Hein. On est en train de sauver des aliens ? Est-ce qu'on doit le buter lui ? Ah ok ! Ok 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 ! C'est comme les nos otages à nous humains. Oh là là, vas-y. Ah mince. Il m'a donné un bout de chiasse. Purée. Oh, un truc plus puissant en fait. Voilà. Je peux voir encore ce tir. Mince. Provoquer pour qu'ils explosent, mais en fait hop. C'est super compliqué là.
Ah, bah non. On va passer là. Oh là là, vas-y. Attendez que... Aïe. Tombé. Il y en a tellement là. En fait, ils te touchent pas quand ils font ça, seulement quand ils l'écrasent, donc. Et ça permet de faire certains mouvements. Ok. Là, ils sont en train de manger quoi là? Quoi? Oh, il a pris en possession un de nous. Qu'est-ce qu'on doit on doit tirer sur qui là? Ah bah c'est sur notre pote, ok. C'était... Et dis donc... Par ici, à m'en sortir. Donc, on sent pas d'ennemis, on est en train de monter. Il y a des fibres de. Des nerfs. Ah oui. Forcément, forcément. On lui met la douille tant qu'on peut. Il met la vue tant qu'on peut, sinon. Chaud chaud. Wow. Je pense que ça devrait pas être aussi simple. Hein. Il peut sûrement se. Bouger le mec, voilà. On était sûr. C'était trop simple. Espèce d'ali. Oh là là, bah vas-y!
Balèze, balèze. Balèze vert. Ça va, hein. C'est que ça les lasers, je suis ok. Hein. C'est simple. Hein. Et là je me fais toucher, tu sais. Vas-y. Écoutez. C'est quoi ça? Oh là là. Eh mais c'est possible d'esquive? Est-ce que c'est possible d'esquiver cette attaque? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Si quelqu'un a une astuce, quelqu'un sait comment on esquive cette attaque, faut me le dire. Hein. Dites-le dans les commentaires. J'essaierai de chercher de mon côté, mais. Possible là, faut pas que ça soit de ce côté là. Parce qu'il. Mais je vois pas du tout. Je comprends pas. Je crois qu'on l'a. Ouais. Oh là là, vas-y. Ouh, il tombe. Il tombe. Et ouais, je me suis raccroché à la vie là. Plouf. Oh la bombe nucléaire. Et moi dans tout ça. Tomber. Oh le cratère. Mission complete. Ah, on a fini la dernière mission. Il se pourrait que on ait été sauvé par le Saddam de l'Allemagne de l'Est. Et là, notre petite amie de dans la soucoupe, et ben, c'est la fin. All over. Voilà, une bonne chose de faite. Bien sûr, avec une musique militaire digne de commandant de Conquer, de Red Alert. Les vrais savent. Oh, la lumière, on enlève la lumière, voyons. Eh ben voilà. Écoutez la musique là. Pas mal, pas mal.
Dans l'ensemble, on s'est pas... C'est pas mal démerdé quand même. Il était sympa ce jeu, ou non? Normalement il est assez sympa. Donc, on va essayer de voir ce qu'on va faire peut-être là par la suite, les prochains jeux d'arcade. Là on a fait le petit run and gun, on va essayer de varier les plaisirs, on va essayer de voir un autre truc, puis après peut-être qu'on va revenir sur un Metal Slug. On va essayer de se faire plaisir. Ben voilà, en fait, le jeu adapté de Atomis Wave, du système arcade, adapté donc sur la Dreamcast. C'est que du bonheur, c'est que du bonheur. Hein. C'est une bonne version du jeu quand même. Je sais pas ce que les puristes disent, mais je le trouve assez sympa. Hein. Alors, on va prendre le game over. Ah bah non, on n'a pas eu droit au game over final. C'est pas grave, bah voilà. C'était Metal Slug 6, donc adaptation du jeu arcade Atomis Wave sur la Dreamcast, mais c'est le jeu vraiment Atomis Wave arcade. Hein. C'est vraiment juste quelque chose qui a été retranscrit. Ah bah le voilà le game over. Voilà le fameux game over. Et bah c'était super sympa. Moi j'ai bien aimé.